Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et je vais pas être tout seul cette fois-ci puisque je vais être accompagné de Caroline Attia. Alors on fait des petits tests, on fait des tests de connexion en ce moment, c'est jamais facile, c'est de moins en moins facile depuis qu'on est tous à distance les uns les autres. Mais on devrait quand même y arriver, on devrait réussir à se parler, on devrait réussir à vous proposer plein de sujets. Tout d'abord, bonjour aux nouveaux, bonjour aux habitués. Je sais que vous êtes quelques-uns à nous suivre régulièrement depuis le début de nos sessions. Je reconnais des noms que j'ai déjà vus passer: Aimé, Christelle, Yann, Daniel, Déclencheur, Christophe, Stéphane. Merci Stéphane d'être présent avec nous pour cette session. Roger, Jorge, Aurélien, Labéa, Stéphouy, Pili, etc., etc. Bref, tout le monde a l'air d'être là. Est-ce qu'il y a des nouveaux, des gens que j'aurais encore jamais rencontrés et qui viennent pour la toute première fois sur une session, sur une de nos sessions YouTube? Un petit oui, un petit non dans le chat. Je suis assez intrigué de savoir s'il y a des tout nouveaux. Pour ceux qui débarquent pour la première fois, rassurez-vous, on n'est pas très méchant. Ce qui va être intéressant pour vous, je le pense, vous me confirmerez les autres, les habitués. Ce qui va être intéressant pour vous, eh bien, c'est qu'on va pouvoir échanger sur le chat, on va pouvoir se poser des questions, et on va pouvoir échanger aussi avec notre invité du jour. Et mon invité du jour, eh bien, pour ceux qui ont déjà suivi la chaîne YouTube Adobe France, vous la connaissez, c'est Caroline Attia. Elle est déjà venue, elle a déjà présenté son travail en animation, elle a déjà présenté elle a déjà présenté, eh bien, les différents contenus qu'elle pouvait mettre en place. Alors, je vais partager vite fait mon écran. Hop. Comme ça, vous allez voir ce dont il retourne. Voilà. Donc, Caroline, donc, je vous ai mis d'ailleurs, hein, pour ceux qui arriveraient plus tard et qui n'auraient plus accès au chat, vous avez dans la description son travail, les différentes sessions autour de l'animation dans Photoshop et de la création entre Animate et After Effects. Et elle nous a fait aussi l'honneur de nous présenter son contenu, son dernier contenu, qui est son court-métrage Au pays de l'aurore boréale, dont vous pourrez voir sur son site le trailer et vous pourrez regarder avec elle. Mais plutôt que de parler, je vais la convier à venir avec nous. Alors, Caroline, ne bouge pas. Check. J'essaye de te récupérer. Voilà. Et j'essaye, je vais surtout te mettre du son. Voilà, comme ça on t'entend. Ça va? Est-ce que vous entendez bien, Caroline? Est-ce que vous m'entendez bien? Un petit oui, un petit non dans le chat. Comme ça. Ouais, ça a l'air d'aller. Écoute, pour l'instant, personne ne se plaint. Donc, on va supposer que tout se passe à merveille. Donc, Caroline, est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de suivre nos sessions? D'accord. Alors attendez, on me dit qu'on n'entend pas du tout Caroline. Mince. Alors attendez, bouge pas. Est-ce que comment j'ai géré le son là-dessus? Check. Caroline, tu devrais être là. Audio. Réseau Caroline. Oui, c'est normal. Alors, je fais ça. Vas-y, essaye de parler. Est-ce que c'est mieux là C'est ou... beaucoup mieux. Ah, Je pense que d'accord, bah c'est alors beaucoup je vais mieux. J'ai recommencer alors. disparu au passage, mais ça, c'est pas très grave. Mais de toute façon, ce sera suffisant pour ce dont on a besoin pour D'accord. l'instant. Non, ce n'est pas ça. Mais vas-y, vas-y, tu peux. Vas-y, Oui, reprends parce que du coup, donc personne t'a je vais entendu et personne n'a recommencer. entendu ta petite introduction. Voilà, je suis à la fois illustratrice et Ah. réalisatrice. Et le dernier projet que j'ai fait, c'est la bande-annonce que vous a montré Franck. C'est un court-métrage d'une quinzaine de minutes que j'ai réalisé pour le studio Folimage. C'est un projet que j'ai écrit et aussi dont j'ai fait la bibliographie. Et voilà, donc je fais à la fois des livres jeunesse, soit que j'illustre, parfois j'en écris un petit peu. Et je fais aussi, surtout, développe des projets de films d'animation. Là, le prochain projet qui devrait commencer, c'est un long métrage qui est en fait composé de 6 chapitres et on est 6 réalisatrices sur chacun des chapitres. Donc, ça sera le prochain projet. Voilà. Et puis, je fais un peu de commandes, un peu
Ouais, bien J'aime sûr. beaucoup aussi. La vie d'animateur et d'illustrateur. J'ai l'habitude de travailler chez moi, donc ça change pas beaucoup pour moi. Enfin, parfois j'ai des ateliers avec d'autres illustrateurs, mais depuis juin dernier, je suis revenue travailler à la maison. Ce qui D'accord. change un peu, c'est d'avoir les enfants en même temps à la maison et mon mari qui travaille en parallèle, donc ça c'est un peu plus compliqué en ce Ouais, moment. je pense qu'on est plusieurs à Voilà. être concernés par ce genre de nouvelle organisation. Alors tout à l'heure, j'ai pas montré encore, tu disais la bande-annonce que j'ai montré juste Oui, la page, oui. la vignette. Est-ce que ça te dit que je passe la bande-annonce du film? Hop, comme Ça ça fera une bonne on est introduction pour. sur le début. Je partage vite fait là. Et c'est parti. Alors je sais pas si on aura le son du coup. Je vais mettre le son. On risque d'avoir le son un peu bizarre. Voilà, donc Alors attends 2 secondes, je t'ai coupé la chic. Voilà. Je t'ai pardon. remis en entier. Hop. Est-ce Ça que y tu est. veux parler? Ouais, d'accord. Bah juste ceux qui sont curieux, qui ont envie de voir le film en entier, il commençait sa vie en festival juste avant le début du confinement. Et du coup, il y a des festivals qui sont passés entièrement en ligne. Et notamment, il y a le festival de l'AFCA. Dans lequel il est programmé dans le programme 1 qui passe mercredi. Donc mercredi toute la journée, il sera disponible en VOD sur le site Universciné. Oh, super. Voilà. On retrouve le lien sur le festival de l'AFCA, tu dis? Bah, je peux essayer de le retrouver, de le mettre, je pourrais le mettre dans le chat. Festivalfilmdanimation.fr. Ouais, Hop. voilà. Très Et bien. Bon, on va là, se retrouver un vous petit allez lien. De voir toute toutes les façon, je sais que informations, ouais. pour toute la partie live, je suis heureusement entouré de Stéphane Baril et Jean-Loup Fuse et Alexandre Becquet pour poster des liens. Alors, en général, ils se battent tous les trois pour être les premiers à poster chaque lien. Il y a une espèce de défi comme ça. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que ça. En tout cas, ça va vous permettre bien de retrouver donc sur festivalfilmanimation.fr ce festival et ce sera mercredi, tu dis, en Ouais, 20. en fait, il y a 7 programmes de courts-métrages et le mien, il est dans le programme numéro 1 qui est diffusé mercredi. Puis après, il y a d'autres, à l'occasion de ce festival, il y a d'autres programmes avec plein de super courts-métrages et il y a quelques longs-métrages aussi. Notamment, il y D'accord. a J'ai perdu mon corps qui sera disponible un jour, je pense aussi. Je me demande s'il n'y a pas Marona aussi, si vous ne l'avez pas vu, ça c'est un très beau long-métrage. Je crois qu'il y a la Marona. fameuse invasion des ours de Sicile. Enfin, il y a quelques longs-métrages chouettes aussi qui vont être disponibles à chaque fois une journée. Ouais, tout à fait. Alors attends, hop, hein, je le remets là comme ça. Vas-y, exprime-toi. Ouais. Est-ce que tu m'entends ou pas? Allez, alors attends, j'ai pas mis la bonne vignette. Pétition. Voilà, et du coup, donc là, pour ceux qui cherchent, c'est filmdanimation.fr. Et quand vous êtes directement sur le site du festival, il y a carrément plus d'infos pour pouvoir retrouver le festival complet. Et quand vous cherchez dans l'édition 2020, vous retrouverez le programme de la compétition des talents cachés. Et c'est là que tu apparais directement. Voilà. Tout à fait. Il Bien paraît que mon sûr. son est trop fort. Maintenant. J'espère que ça va parler aux uns et aux autres et que vous pourrez en profiter et que vous pourrez retrouver du coup les sessions en direct. C'est vrai que c'est quelque chose de plutôt sympathique de leur part de nous permettre de suivre encore ça. Aujourd'hui, je t'ai fait venir, on va pouvoir regarder un petit peu peut-être des techniques de dessin, d'animation. On va parler un peu de ton actualité aussi.
Ouais. Quand on cherche Caroline Attia sur Internet, en fait, ce qu'on trouve beaucoup, c'est ton directement, hop, oups, Caroline Attia. On trouve deux trucs rapidement. On trouve ton Instagram sur lequel tu postes des news au fur et à mesure, sur lequel on voit un petit peu la vie en parallèle du boulot, la vie de famille pour le coup un petit peu, puisque on te voit même, on voit tes travaux avec ta fille qui se fait un plaisir de pouvoir animer avec toi. Ça, c'est nouveau Ouais. justement que vous travaillez à deux. Oui, bah ça c'est on profite du confinement comme il faut l'occuper. Ben, elle est en moyenne section de maternelle, donc il y a quelques activités données par la maîtresse, mais bon, pas assez pour occuper toute la journée. Du coup, ben, elle fait de la peinture, elle fait du dessin et on a fait de D'accord. l'animation. Là, sur ce petit bout, il n'y a pas de personnage qu'elle a fait elle, mais elle a même fait des personnages sur ma chaîne Vimeo, le petit film qu'on a fait, il est en entier, il fait une dizaine, 10-15 secondes, c'est pas énorme, mais on s'est bien amusé à le faire, ouais. Elle a fait les voix aussi. D'accord. Elle a écrit celle qui a écrit l'histoire. Donc oui, c'est vrai que je poste beaucoup, surtout dans les stories, je poste pas mal ses dessins parce qu'elle dessine beaucoup et je suis très fière. Bon. Comme toute maman, hein, je suis fière de sa fille, voilà. Bon, Et du coup, tu t'es mis aussi, j'ai vu passer donc sur ton compte Insta, tu as commencé à partager coloriage, ouais. pas mal de dessins, de coloriage. Oui, ben, il y a pas mal d'illustrateurs qui le font. Je me suis dit pourquoi pas aussi. Voilà, c'est un peu la façon de participer, de donner des activités pour les enfants dans le confinement. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps de les occuper en permanence. Et surtout les occuper un peu hors des écrans, surtout quand ils sont petits, quoi. D'accord, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et alors, ce qu'on a vu passer très rapidement, c'est ce petit visuel-là, Stay Home, Save Lives, donc qui est un peu le mot d'ordre du moment. Et C'est tu me clair. racontais une petite anecdote amusante tout à l'heure. Oui, bah, je l'ai posté sur ma page Gifi et en fait ils l'ont mis en première page. Je crois qu'ils ont fait un groupe de toutes les animations sur le confinement. Et du coup, je me suis reconnectée hier par hasard sur ma page Gifi. J'ai vu, tiens, j'ai 56 millions de vues. En fait, cette vidéo-là a fait 55 millions et demi. Et puis du coup, ça a un peu ruisselé sur deux, trois autres chiffres, mais Ouais, félicitations. c'était. Là, c'est vrai que quand on tape Stay Home sur la Jamais vu page d'accueil, un truc qui a été aussi vu. Bon, ben, voilà. ouais, t'es directement dessus. L'énorme succès du moment, l'énorme succès inattendu. Ouais, bon, c'est rigolo. C'était juste. Oui, j'ai commencé à faire une petite série de gifs, un peu pareil au moment où on a commencé le confinement. Parce qu'au niveau travail, heureusement, j'ai la chance d'avoir encore des commandes, mais c'est vrai que ça s'est un peu ralenti. J'ai pas mal de choses qui sont un peu en pause, en stand-by ou qui mettent plus longtemps à se faire. Et du coup, ben, j'en ai profité pour faire des petits gifs, un peu pour renouveler un peu aussi mon style, mon book, voilà. Enfin, je pense que c'est important dès qu'on a le temps de faire des choses aussi. Je fais à la fois des projets, quand j'ai du temps, je fais à la fois des projets personnels et à la fois aussi des choses un peu plus gratuites. Enfin, pas gratuites, mais un peu plus pour mon book, pour renouveler mon book. Donc, Ouais, ça, je pense que justement c'est dans la important. catégorie trucs et astuces, pardon, dans la catégorie trucs et astuces qui sont partagés par les illustrateurs, par les graphistes, par les animateurs, par toutes les professions en fait créatives, on voit que voilà, l'idée de la baisse d'activité, bah, c'est des choses qui arrivent régulièrement pour tout le monde, mais que la mettre à profit, c'est hyper important, quoi. Bah, c'est super important. Et puis, ne serait-ce que pour se faire plaisir, en fait, parce que quand on est dans de la commande ou quand on est en pleine production, on n'est pas forcément tout le temps. Enfin, on est dans des telles deadlines on peut pas chercher des choses, on ne peut pas se renouveler. Et puis, ce n'est pas des projets perso. Donc, c'est sympa aussi de pouvoir prendre du temps pour soi et de mettre à profit ces périodes de baisse d'activité, même si ça peut être angoissant. Hein. De toute Oui, bien façon. sûr. Activité en dents de scie, c'est jamais très très simple à gérer quoi. Jusqu'à présent, ça faisait 2-3 ans où j'avais plus trop de périodes comme ça, un peu de creux. Donc bon, après récemment j'ai eu un bébé, donc je revenais en plus. Ça tombe au moment où je revenais en début d'activité après le congé maternité. Bon, finalement, je suis un peu restée dans cette Dans cette optique-là, Mais dans la franchement, même énergie. voilà, j'ai de la chance d'avoir quand même des projets. J'ai des projets de livres planifiés sur toute l'année jusqu'à la fin de l'année. Même si, évidemment, ce n'est pas l'édition qui permet de vraiment vivre, quoi. Mais ça permet au moins d'avoir des choses en cours.
deux, trois petites commandes. J'ai des trucs qui devraient démarrer, mais qui, c'est vrai qu'ils mettent, comme pour tout le monde, hein, les gens sont un peu, voilà, ils savent pas comment ça va se passer, donc ils mettent un peu tout en pause, quoi. On va voir. C'est un peu une période particulière pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Du coup, ouais, aujourd'hui, ce qu'on avait proposé de faire, c'était de regarder un petit peu, de voir un peu sur ton écran comment tu travailles justement, de quelle manière tu fonctionnes. Ça te va si je partage chez toi? Vas-y. Et profiter aussi ben, de t'avoir sur le direct pour que tous les gens, tous les utilisateurs qui ont envie de voir et qui ont envie ben, de comprendre un petit peu les trucs et astuces et autres, et qui ont des questions à te poser, puissent les poser pendant le live. On profite, c'est le en direct du canapé, tous les jours à 14h, donc c'est le moment. Vas-y, D'accord. Donc pour ceux qui ont déjà suivi un peu mes lives, moi j'aime bien faire des images dans Photoshop et directement animer dans Photoshop. Donc là c'est le GIF qu'a montré Franck. Et en fait, j'utilise la fenêtre de montage pour l'animation. Et là par exemple, il y a déjà toutes les. Il y a un peu le déroulé des différentes animations, des différents niveaux. J'utilise beaucoup ce qui s'appelle les groupes vidéo pour animer. Et en fait, la façon dont j'anime, c'est que je fais un mélange entre redessiner et bouger les personnages. J'utilise pas mal l'outil de marionnette aussi pour faire des petits mouvements simples et du redessin. Donc là, je ne sais pas si ça va aller très efficace quand je le mettrai. Voilà. Là, j'ai simplement, voilà, j'ai redessiné les pages du livre, j'ai bougé un peu le pied. J'ai fait un petit mouvement sur les plantes. L'idée, c'est de faire des animations assez simples, en fait, des illustrations qui sont un petit peu animées pour ces histoires de GIF, pour pouvoir faire des choses qui sont rapides à faire et qu'on peut poster. Ce que je voulais aussi dans cette série-là, c'était aussi avoir une gamme de couleurs qui soit assez restreinte. J'avais envie de pousser ça, travailler dans une gamme de couleurs assez restreinte. Des couleurs que j'ai utilisées dans d'autres projets, que j'avais envie d'utiliser aussi sur des images un peu plus, entre guillemets, de lifestyle, hein, que j'ai pas forcément beaucoup dans mon book, quoi, où j'ai pas, comme je fais beaucoup de choses en jeunesse. Donc j'avais fait un autre GIF, Franck vous les a montrés, hein, là aussi on voit, où j'ai principalement animé le visage qui se baisse, les cheveux, un mélange de redécouper, de rebouger des éléments, puis les cheveux, ils sont redessinés image par image, quoi. Ouais, c'est marrant parce que c'est très dans l'esprit, tu sais, de ce qu'on voit dans les cinémagraphes. Où les gens vont faire une photo, enfin vont faire une petite vidéo et figer une partie. Là, tu fais un petit peu dans le sens contraire pour l'animation. Voilà, oui. Et après, même les flocons, c'est simplement un calque qui tombe avec des animations de position. Donc voilà. Et il y a celle du train aussi que vous avez vue. Et là, j'avais envie d'en faire une troisième. Je vais peut-être montrer un peu mon process dessus. Elle est pas encore finie. L'illustration n'est pas encore finie. Mais quand je commence, en gros, je vais mettre un calque blanc. On va pas bien voir. Mais en gros, je commence toujours par faire des recherches d'idées. Non. Un croquis qui est vraiment très 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 rough, où on ne voit pas grand-chose, mais c'est pour moi l'idée, c'est juste de composer, de réfléchir à l'idée, aux postures des personnages. Puis ensuite, à partir de ça, je vais faire un rough qui va être beaucoup plus précis. Et c'est suite à ça que je vais commencer à faire la mise en couleur. Donc là, qui n'était pas encore terminée, mais même par rapport. Et en fait, donc pour cette série, j'avais déjà choisi une gamme de couleurs, mais comment est-ce que je vois qu'il y a une question, c'est comment je travaille le choix de mes couleurs? Ben ça, c'est beaucoup en regardant, en testant déjà, en testant des couleurs ensemble. Je passe beaucoup, beaucoup de temps en fait dans les premières recherches de couleurs à changer une couleur pour une autre, pour essayer de trouver les harmonies. Ou simplement là, encore plus simple, j'ai réutilisé les couleurs d'un autre projet, quoi. Mais sauf que les dominantes, il y avait très peu de les violets, étaient vraiment par petites touches. Donc voilà, ce que je fais, c'est que vous pouvez voir ici que j'ai une bibliothèque. J'utilise pas mal les bibliothèques partagées, enfin, les bibliothèques de Creative cloud. Cloud, ouais. Par exemple, voilà, je me fais souvent des bibliothèques, juste, ce serait que juste qu'avec des couleurs, mais parfois,
Parfois, tu as des visuels, des références, Parfois j'ai des visuels, parfois j'ai des. Alors est-ce que j'en ai un? Est-ce que j'en ai gardé? Parce que j'ai fait pas mal de nettoyage. Ouais, tu fais du nettoyage au fur et à mesure, ça c'est pas mal, ça c'est un truc que je sais pas faire. Ouais, bah ouais, parce qu'on est limité à 100 gigas. Donc comme je peux avoir parfois des projets un peu lourds. Oui, parfois j'avais. Enfin, là, par exemple, c'était pour des illustrations. Pour des illustrations, pour des objets, en fait, qui allaient être Ouais. placés sur des objets. Donc il fallait décliner des motifs en les plaçant en fonction des différentes utilisations. Donc j'avais les objets principaux là en dessous, les assets principaux que je pouvais ensuite replacer, quitte à les redessiner, mais que je rajoutais à la bibliothèque directement. Est-ce que tu te fais parfois une banque complète avec par exemple des pigeons qui viennent se poser, des chats qui se baladent, des nuages, ou est-ce que dans ces cas-là c'est plutôt des choses que tu vas redessiner toi-même? Si c'est pour un même projet, donc comme là c'est, parfois ça peut m'arriver de faire quelques petits éléments comme ça, effectivement. Pour de l'animation, par exemple, je ne l'ai pas fait récemment, mais je pense à un projet il y a quelques années qui est animé dans Flash, mais j'avais fait quelques petits éléments animés dans Photoshop, comme des petits nuages qui vibraient ou des petits brins d'herbe et tout. Et ça, pour le coup, alors je n'utilisais pas encore parce que c'était en 2011, donc moi je ne connaissais pas encore les bibliothèques, je ne sais pas si ça existait, les bibliothèques créatives 2011, non, là. pas encore. Mais je m'étais fait un fichier Photoshop, en tout cas dans lequel j'avais mis tous ces éléments et que je venais régulièrement piocher. Donc c'est quelque chose qu'effectivement je pourrais faire. J'ai pas fait récemment, les projets n'ont pas forcément nécessité que je fasse. Mais en tout cas, je mets parfois des typos, parfois des brushes. Ouais. Le plus souvent, c'est vrai que j'utilise beaucoup, beaucoup pour les couleurs. Ouais, Mais par parce exemple, dans les. Aussi, quand je fais un livre, je mets souvent des images des personnages principaux, pas forcément pour les réutiliser tels quels, mais pour me les remettre d'une page à l'autre en modèle, pour être sûr que mes personnages respectent les proportions et tout. Je trouve que c'est assez utile aussi. Ouais, pour pas user le dessin au fur et à mesure que tu le connais et pas te le réadapter. Ouais, enfin, non, mais je redessine, mais c'est juste pour être sûr que un peu comme en animation. Enfin, c'est certainement une technique qui vient de l'animation où je prends mon modèle du personnage et ben je vérifie que ma tête a bien les mêmes proportions, que les yeux ont bien les mêmes proportions. Enfin, tu vois, même si je fais une pose qui est complètement différente, dans un angle complètement différent, mais au moins j'ai mes références qui sont là dans ma bibliothèque. Et ça me permet de gagner du temps plutôt que d'aller ouvrir un autre PSD pour récupérer le calque avec le personnage, ce qui est aussi une façon de faire. Mais là, au moins, j'ai directement une bibliothèque. Mais là, je crois que. A priori, j'ai dû effacer pas mal. Ouais, comme tu disais, tu fais du ménage régulièrement, c'est plutôt une bonne Ouais. chose. Ouais. Là, qu'est-ce que j'ai? Là, bah si, par exemple, sur un projet d'animation, là, j'ai. Si je fais un nouveau fichier, juste pour qu'on les voit en grand un peu ce que j'ai. Bah ça, c'est pour le projet du Noël des animaux. Je me suis fait une bibliothèque dans laquelle j'ai, par exemple, la texture. Une texture que j'utilise beaucoup. Et puis chacun des personnages, quoi. D'accord. Que je viens juste après en référence. Après, si je veux par exemple le faire de trois quarts, ben, je vais mettre un calque au-dessus. Alors, j'utilise aussi, je sais pas si on voit là à l'écran, moi, les brushes, je sais pas si on les voit quand je sors la fenêtre de brush, non? J'ai pas l'impression. Si si, on voit ton panneau. Attends. D'accord, ben, j'ai ouais, voilà, enfin, j'ai tous mes brushes favoris aussi qui sont. Alors J'en attends, utilise. non, pourquoi là je vois ton personnage, je vois le Père Noël. Mais tu vois pas quand j'ouvre la fenêtre de brush. J'ai pas Comment ça se l'impression. fait? Ah non, d'accord, oui, parce que alors est-ce que c'est compliqué si tu lui demandes de partager du coup tout l'écran plutôt que juste attends, regarde. Je le remets en Alors, grand le temps de faire je sais le pas si. test, voilà. Ouais, je sais pas si je vois. J'ai pas forcément l'option quand je mets. Alors, si je fais caméra. Non. Du coup, je m'assure qu'on t'entende toujours. Ouais, ça a l'air d'aller. Autorisé. Alors, Intéressant comme process, nous dit Raphaël. Ah, dis donc, c'est chouette. On est accompagné aujourd'hui par Raphaël Bluzet, que j'ai Alors, reçu aussi sur la chaîne et par contre, j'ai deux écrans, donc il qui faut fait que je aussi sois pas mal sûre que c'est le d'animation. bon écran. Oui, autorisé. Alors, normalement, le partage d'écran, c'est au même endroit que ce que tu avais mis en place tout à l'heure. Voilà, là j'ai ton Photoshop et j'ai peut-être même tout ton écran. Ouais, là je Voilà, vois ton voilà. panneau de brush, alors je vais pouvoir repasser dessus. Très bien. Hop, et c'est parti. Voilà, là on est bon, on est chez toi à nouveau et on t'entend. Voilà, donc là en gros c'est mes brushes favoris, mais par exemple j'ai aussi des groupes de brushes pour des projets, quoi. Par exemple, là c'était pour le film Aurore Boréale.
Il a été animé dans TV Paint, mais il y a des séquences de cauchemars que j'ai animées entièrement dans Photoshop. Parce que je voulais qu'elles aient un look un peu plus peint, un peu plus comme de la presque de la peinture animée, mais c'est pas de la peinture animée. Donc voilà. J'ai utilisé. Donc j'avais 4 brushes. En plus, comme ça, je pouvais les partager avec quand j'ai une personne qui m'a aidé pour faire. Il y a une autre personne qui a fait les décors avec moi. Donc j'ai pu lui envoyer mon groupe de brushes. Ça, c'est vrai que c'est super pratique aussi. Donc bon, si j'ai une fois que j'ai importé mon personnage, en fait, je vais me baser dessus, grosso modo, pour ça rapidement, mais pour essayer de faire en sorte que les éléments soient plus ou moins aux mêmes emplacements, quoi. Est-ce que je veux le faire de face? Hop. Ça va plus vite d'avoir un personnage en dessous en référence, quoi. Comme ça, je suis sûre que c'est le même. Bon, là, en plus, c'est pour un projet d'animation. Et typiquement, sur ce projet, pour l'instant, ce que je fais, c'est des visuels de référence pour les dossiers. Donc, voilà, quoi. Voilà. Alors, Ça, c'est j'ai une petite question sur le live de Stefano qui nous demande comment est-ce que tu constitues ta bibliothèque de textures? Est-ce que c'est des choses que tu dessines? Est-ce que c'est des choses que tu scannes? Est-ce que c'est des choses que tu peins? Alors, les textures, j'utilise beaucoup de textures d'aquarelle, d'ailleurs, c'est un peu toujours les mêmes. Ça, c'est des textures que j'ai peintes sur papier, que j'ai scannées. Là, la texture, celle-là, c'est une que j'ai dû trouver sur une banque de textures. Et après, il y en a, je me dessine des motifs aussi dans Photoshop ou effectivement des choses que je fais à la main. Un peu de tout, en fait. Ça dépend des projets. Parfois, ouais, vraiment un peu de tout. Même je me rappelle une fois, j'avais fait du collage de morceaux de papier journaux sur un carton pour obtenir une texture de papier journaux. C'est sûr que quand on les crée soi-même, elles sont plus inédites et plus personnelles, quoi. Ouais, c'est-à-dire que du coup, ça te permet toi de t'adapter à ton projet, ça te permet de te lancer enfin, ça te permet aussi d'avoir une cohérence en fait sur ton projet et entre tes projets aussi, parce que je pense que ça, c'est un truc qui est important. Ouais, par exemple au pays de l'aurore boréale, il y a des textures d'aquarelle et j'en ai fait et des textures d'aquarelle animées et tout ça c'est fait à la main et j'en ai fait vraiment beaucoup 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 pour essayer d'en trouver quelques-unes qui fonctionnaient entre elles sans que ce soit en qui vibre, qui ait une vibration suffisante mais pas trop non plus pour pas que ce soit perturbant quoi à l'œil, voilà. Donc non mais et puis c'était sympa à faire quoi. En gros je trempais des feuilles, j'ai fait ça avec ma fille, on trempait les feuilles dans de l'eau et puis on faisait couler de l'encre en fait avec de l'encre de Chine qu'on faisait couler dessus Et et c'est ça qui permet de retrouver ce style bien particulier dessus. Alors ouais. après, j'ai vu que Stéphane avait répondu à la question comment constituez-vous la bibliothèque en répondant de manière très technique, en glissant les images de texture dans la bibliothèque ou en utilisant Adobe Capture sur mobile. Je ne sais pas du coup à laquelle des deux questions Stéphano voulait une réponse, mais comme ça on a Voilà, la il y a les deux. version, Bah, la par version exemple, workflow de Stéphane et la version inspiration de Caroline. Ça c'est cool. Oui, tout simplement, voilà, si je veux l'ajouter, hop, là, il est ajouté. Ouais, t'as, avec le petit plus en bas du panneau Voilà. building qui marche bien pour ça. On peut faire le plus là pour ajouter la couleur du premier plan, un graphique. C'est assez simple. C'est vraiment très, très. Ça n'a rien à faire dans cette bibliothèque-là, donc je vais l'enlever, mais. C'est vraiment très très intuitif quoi. Ouais, Et en plus ils ont beaucoup simplifié les choses pour ça. Et je sais aussi une des questions qui a été souvent posée au niveau de Photoshop, justement, une des questions qui a été posée pour les utilisateurs, ça a été aussi de dire, bah tiens, comment on fait d'ailleurs pour retravailler, parce que Capture c'est bien, mais c'est qui est le système justement pour récupérer des couleurs ou autre. Sauf que Capture, il permettait pas forcément de travailler en dehors du fait qu'on ait son téléphone mobile branché, ses bibliothèques. Et ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'ils l'ont intégré. Alors attends, je vais partager mon écran 2 secondes. Je te garde dans un coin, t'inquiète, Bien sûr, on reste là. Ils ont intégré Capture directement dans Photoshop.
C'est-à-dire que vous avez toujours donc vos bibliothèques Creative Cloud. Vous pouvez aller choisir votre propre bibliothèque de travail. Par exemple, là, j'ai une série de brosses où je peux même créer une nouvelle bibliothèque pour travailler. Et si je veux me créer un nouveau motif, hop, alors on va pas mettre du jaune parce qu'on va pas voir grand-chose. Voilà. Si je veux me créer un nouveau motif avec une fleur en aquarelle, je peux tout à fait prendre mon calque. Et auparavant, en fait, j'aurais été directement rajouter l'élément graphique. Et là, je peux créer à partir de l'image. Et à partir de l'image, en fait, il va me relancer Adobe Capture. Et ça, c'est vraiment que c'est un truc qui est tout neuf. Et qui, je ne sais pas si les utilisateurs ont vu passer cette partie-là. Vous me direz dans le chat si vous aviez vu passer cette petite nouveauté à l'intérieur de Photoshop. Maintenant, on peut directement créer, concevoir ces contenus depuis Capture. Que ce soit ça ou que ce soit pour aller piocher les palettes de couleurs ou récupérer les formes pour faire des tampons. Donc, c'était un petit aparté technique, mais sympa. Non, j'avais pas ça vu. Peut non. Servir. Hop, tiens, on repasse direction chez toi, direction ton balcon. Ouais, direction mon balcon, comme beaucoup de. Le seul endroit pour aller dehors en ce moment, mm-hmm. Presque. Oui, du coup, après, j'utilise. Oui, là, donc là, pour le coup, pour ce projet-là, j'ai simplement une bibliothèque avec mes couleurs, avec mes gammes de couleurs. Et c'était l'idée de faire une série cohérente. Et puis là, les thèmes, évidemment, sont de plus en plus par rapport à ce qui se passe en ce moment, quoi. Donc, voilà. Et que dire d'autre? Là, j'ai pas tout à fait fini mon illustration. Par exemple, si je veux faire le petit pigeon. Alors, toujours ce qui est super important, hein, surtout quand on fait de l'animation, c'est de bien nommer tous ces calques. Hein, je crois que... Ça fait plaisir à Stéphane. Non, mais surtout quand on travaille à plusieurs, après en animation, on travaille beaucoup à plusieurs sur les fichiers, donc si c'est le bordel, on s'y retrouve pas, quoi. On peut passer beaucoup, beaucoup de temps, même en motion design, quand on récupère les fichiers after de quelqu'un d'autre et qu'il n'y a rien qui est nommé, déjà c'est toujours compliqué de se repérer dans la façon dont quelqu'un travaille si mm-hmm. c'est pas nommé. Mais même pour soi, hein, parce que là, j'ai que ce nombre de calques-là, mais une fois que c'est animé, c'est pas des grandes animations, mais bon, j'ai quand même un certain nombre de calques. Ouais, tu peux te retrouver avec un paquet de calques que tu as intérêt justement de pouvoir référencer rapidement pour pouvoir revenir dessus. Voilà, exactement. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, je sais pas si vous voyez, il y a des petits. J'utilise des codes couleurs. Hein. C'est bizarre, je vois. J'ai pas l'impression qu'on voit la même chose. Est-ce qu'on voit la colonne avec des calques qui défilent avec les codes couleurs? Non, pour l'instant, on est fixe, on est sur ton écran. Ah, et, ça ton écran est fixe alors. Et on voit juste la... Voilà. Non, okay. Non, je ne sais pas pourquoi les calques. Alors, attends, si je le mets là. Voilà. Donc, j'utilise beaucoup les codes couleurs, en fait. Les étiquettes de couleurs pour me... Là, tout simplement parce que c'est un cycle. Ouais. Que j'ai mis plusieurs fois. J'ai mis plusieurs fois pour des histoires de durée par rapport à ce qui se passe derrière, aux nuages qui défilent. Mmh. Donc, pour que les nuages défilent un peu plus longtemps que le cycle. Et je pense que le cycle, la vitesse du cycle aussi de la plante qui balance n'est pas la même que la fille qui tourne les pages. Donc, c'est pour ça que je mets parfois les choses plusieurs fois. Et pour savoir à quel moment mon cycle redémarre, ne serait-ce que si par un moment, je veux refaire un petit changement, j'aime bien me mettre des étiquettes de couleurs. Mmh. Ou alors, quand j'ai des cassures aussi dans l'animation, parfois, je vais avoir un personnage qui marche. Oui. Après, il s'arrête. Et après, il va commencer notre action. Donc là, je me mets des codes couleurs différents pour savoir quels sont les différents moments de mes animations. Parce que sinon, on a vraiment du mal à se repérer sur la timeline. Oui, puis ne serait-ce que pour pouvoir retrouver le rythme. Parce que tu nous avais parlé dans les sessions précédentes d'animer à 2, à 3 en fonction du rythme que tu donnais par seconde à tes ouais. images. Et le fait d'avoir justement ce rythme-là dans ton panneau de calque et de pouvoir le voir défiler, ça doit beaucoup simplifier les choses. Oui, bien sûr. Mais bon, donc c'est pour ça qu'il faut nommer, parce que dès qu'on fait de l'animation, on a, et encore, je crois que j'ai quelques calques qui ne sont pas nommés, c'est mes calques de décor, mais mais c'est important, quoi. Tout à fait. Super important. Hop, et là, la typo, ben, vous voyez un petit truc, enfin un truc, c'est, je l'ai fait à la main, mais je suis quand même partie d'une typo existante pour la dessiner.
Il y a Clémentine qui nous dit qu'elle aime beaucoup ton travail. Ah, merci. Merci. Il y a Stéphane qui nous dit que cette palette est top. Ouda Brahim qui nous dit que c'est vraiment inspirant d'avoir les idées d'experts. Merci. Donc voilà, je pense que tout le monde est assez content pour l'instant, jusqu'à présent. Ben, super. Ben, juste, donc là, si on est là, si on revient à l'autre, ouais, il y a un petit peu. Hop. Est-ce qu'il y a un petit souci de rafraîchissement sur l'écran ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Là, j'ai un demi. Ouais, j'ai un. Non, c'est bon. Là, je suis revenu sur l'écran complet. Ok, très bien. Ben, bon, bah ben, juste, je vais rapidement faire le petit pigeon, puis je vais vous montrer comment je mets en place. J'aurai pas forcément le temps de beaucoup animer pendant le live et. Surtout si je réponds à vos questions, mais au moins de voir comment je démarre l'animation. Toutes les choses à régler. Je vois que la fenêtre de montage n'est pas non plus mise à jour. C'est pas rafraîchi. Hop, si je fais comme ça. C'est bizarre, hein, il y a des. Alors, je vais peut-être faire un truc pour tout à l'heure, c'est que je vais mettre juste ton portrait plutôt qu'avoir ta vidéo, et peut-être ça nous permettra d'avoir un petit peu plus Ok. de jus dessus. Mais t'inquiète, je te fais signe quand c'est bon. D'accord. Pour couper la cam, ouais, c'est un peu. C'est étrange ce retour qui passe pas. C'est peut-être ma connexion qui est pas Ouais, terrible. je sais pas. Là, tu m'entends toujours ou pas, Caroline? Oui, je t'entends toujours, oui. Très bien. Tu On m'entends? va alléger ta connexion de ce côté-là aussi. Et je vais te récupérer de l'autre côté. Ok. Très bien. La blague, c'est que tous les artistes que j'ai reçus m'ont envoyé une photo qui s'appelle Portrait quelque chose. Ouais. Et certains mettent pas leur nom dans leur photo, parce que c'est leur Je vois autoportrait. qu'il y a. Bah, je peux peut-être répondre à des questions sur Ouais, sur le chat. le chat. Bonjour. Je vois qu'il y a David Devaux que je connais qui pose une question. J'ai souvent des bugs quand je transfère un fichier anime PSD sur un ordi d'un autre ordi. Alors ça, c'est vrai que ça peut bugger. Ça, je pense que Stéphane va Stéphane est plus à pouvoir. même de répondre à toutes les questions, Ouais, les toutes les questions questions techniques, ça, pièges je pense que de bugs et autres, Ouais. très clairement. Mais je ne me rappelle pas avoir eu des bugs comme ça, d'un ordi à l'autre. Après, c'est. En plus, je travaille régulièrement avec deux ordis différents. Notamment quand je faisais les animations pour Aurore Boréale. Après, c'est vrai que dès que les animations sont un peu lourdes, des animations, j'ai fait des animations de 20-30 secondes, ça devient quand même galère à gérer. Ouais, bien sûr. Surtout le à un moment mon ordi n'a plus de. Toute la mémoire, en fait, est bouffée, quoi, sur des animaux aussi lourds. Peut-être que dans les prochaines versions, ce sera plus léger vu qu'il y a tout le travail sur Photoshop pour tablette. On peut espérer. Ouais, je pense qu'on commence à avoir pas mal de trucs. Toi, tu as testé un petit peu le Photoshop sur tablette ou pas encore? Un petit peu, si, j'ai testé, mais c'est vrai que je suis vite retournée sur Fresco Alors très pour clairement, hein, Fresco dessiner. a été fait pour les Ah ouais. illustrateurs et Photoshop, pour l'instant, il est beaucoup sur le compo. Et c'est vrai que Ouais. c'est une première grande étape en avance. Hop. Ouais, c'est sûr que pour pouvoir importer. Enfin, bah, de toute façon, ce qui est très bien aussi avec les bibliothèques dont je parlais, c'est qu'en fait, elles se retrouvent sur tous les logiciels d'Adobe. Donc, que ce soit dans Animate, quand c'est des personnages qui sont destinés à être animés, ou dans Fresco, on peut récupérer ses palettes de couleurs, on peut récupérer ses brushes. Donc, ça, c'est vraiment plus simple, quoi. C'est vraiment une application pour dessiner plus que Photoshop, donc j'utilise plus Fresco en ce moment. Et puis surtout avec les nouveaux fichiers qui sont directement dans le cloud, Ouais, les PSDC. ça simplifie beaucoup les choses. Ouais, Alors, je t'ai ouais. mis en image fixe dans le coin. Si Ok. tu veux, tu peux couper ton hangout si tu veux. Tac, alors attends. Donc, ça va alléger peut-être la connexion. On va voir si Hop. ça passe.
On fait du débugage en direct hein, pour ceux qui. Ok. Il écrit sur l'écran. Alors donc il y avait des questions. Wirecast pour OBS. Excellent travail, bravo. Comment avoir ces logiciels? Alors tous les logiciels Creative Cloud, le savant malin, ça va être directement sur votre application Creative Cloud. Pour l'instant, j'attends de récupérer l'ordi de Caroline et c'est pas encore fait. T'es toujours là, Caroline? Oui, je suis toujours là. Ok. Il y a David qui demande, qui s'écrit sur l'écran, problème QuickTime pas installé. Est-ce que David, est-ce que tu as des points move du coup dans tes animations Photoshop? Ah, C'est c'est peut-être possible. là. Moi, j'ai eu des petits problèmes quand j'avais des points move dans les fichiers Photoshop. Et là, dans ce cas, il vaut mieux pas en avoir en passant d'un ordi à l'autre. Parce qu'il ne retrouve pas le lien forcément de la vidéo. Ouais, forcément, et en plus. Ou alors il faut supprimer le calque avec la vidéo et réimporter la vidéo. Ouais, et puis quand on est sur du point move à l'intérieur de Photoshop, faut pas oublier que le point move c'est un conteneur, donc il peut contenir à peu près tout et n'importe quoi. Ce qui fait que si vous l'avez fabriqué sur un Mac, il va retrouver tous les codecs qui vont bien. Si vous arrivez sur Windows par exemple, c'est pas forcément gagné d'avoir le même contenu. Je suis embêté parce que du coup ça bouge pas du tout chez toi. L'écran a l'air d'être un peu figé, il a bougé juste d'un D'accord. quart de Mince. Pouillème il y a 2 secondes. Ok. Là, si je commence à dessiner, on voit ou pas? Non, je vois strictement rien qui bouge sur ton écran. Je vois pas, je vois ton pigeon. Je vois tes brosses. Si, donc on est revenu chez toi. Et par contre, est-ce Ok. que tu peux agrandir très grand ton panneau de brosse? Parce que comme ça, il va rafraîchir le bas de l'écran. Jusqu'en bas? Ou pas? Ah C'est non, tu fait, veux pas aller plus mais bas. je l'ai fait en entier, mais ouais. Ouais. Tu vois, le bas de l'écran est comme mangé. Bon, c'est pas très grave pour l'instant. On D'accord. va survivre sans cette partie-là de l'écran. Donc ouais, bah je vais faire rapidement le pigeon. Non, Hein. non, Hop. t'inquiète, Donc tout va j'utilise bien. un brush que j'utilise beaucoup, c'est celui-là. Donc c'est un brush de peinture de Kyle. Je pense que c'est les brushes d'ancrage plutôt. Et le principe de cette série, c'est d'avoir à la fois des aplats de couleurs, mais aussi des lines qui viennent soulignées par quelques lines, comme si c'était des traits de pinceau en fait. Donc, j'utilise pas trop le lasso et tout. Hein. Moi, je peins directement. Enfin, j'aime bien. Enfin, je faire directement la peinture, enfin du dessin, quoi. En gros. Et tout peindre à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir, en gros, dans un premier temps, en gros. Hein. Puis après, je rentre dans le détail. Et au bout d'un mois, je garde mon ref au début, mais après, j'aime bien voir ce que ça donne sans le ref. Alors, c'est vrai que ça aide dans Photoshop, ce qui aide beaucoup, c'est de connaître quand même pas mal les raccourcis clavier pour aller plus vite. Ouais, carrément. Toi, tu utilises les raccourcis par défaut ou tu as customisé tes raccourcis pour ça? Non, j'ai rien customisé. J'avais dû le faire à un moment, mais c'est vrai que quand je mets à jour régulièrement, à chaque fois qu'on met en jour, j'ai l'impression que ça saute régulièrement quand on fait les mises à jour, si on fait pas gaffe. Donc, non, j'utilise. Je suis pas très bidouilleuse non plus, donc je fais avec ce qui existe. À un moment, j'avais fait un raccourci pour passer en flip pour flipper mon dessin. Ouais. Ce que j'avais vu justement dans un live. Quelqu'un qui Pour le faisait. pouvoir conserver, rafraîchir son œil et s'assurer que les choses sont Ouais. bien alignées, Mais bien maintenant, proportionnées. ça existe. Ouais, maintenant c'est vachement bien, ça existe. Les symétries horizontales, ça permet de. Avant, il fallait carrément faire en miroir l'image. Du coup, Ouais. ça touchait au pixel, alors que là, ça touche plus du tout au pixel. C'est Ouais, beaucoup. là ça travaille directement sur la carte graphique. Donc c'est immédiat quoi. Et du coup, Ça c'est permet de devenu voir. instantané pour beaucoup. Ouais, c'est instantané, ça permet de voir vraiment ce qui ne va pas. Et je trouve que mon homme, il a une tête un peu plate, par exemple. Donc. Hop, je vais redonner un peu de volume. D'ailleurs, mes noirs sont pas noirs. Hop.
J'aime bien effacer avec le même brush que celui avec lequel je dessine pour toujours garder le même type de texture. Et il y a des brushes qui ne permettent pas de passer en gomme parce qu'ils sont paramétrés, donc on peut les utiliser, on peut utiliser les différents modes. Il y a le mode effacé, ça c'est Stéphane qui m'avait montré ça aussi, je pense. Ouais, alors ça, c'est aussi la magie des modes de fusion des broches. Ouais. Il y a des petits raccourcis clavier qui sont Ouais, ça je quasi les connais inconnus plus, mais. du public, avec le Alt X par exemple, pour pouvoir passer sur une brosse qui efface plutôt que sur un pinceau. Non, là ça marche pas chez moi, Altix. C'est ça, ou c'est Ctrl Alt X? Ctrl X? Alt majuscule, voilà. Alt majuscule, et tu mets X par exemple pour passer en exclusion, O pour D'accord. incrustation, R pour effacer. Et je crois que c'est N pour normal, non? Je crois Ça que c'est doit ça. être N pour normal. Ouais, Voilà. Pour ouais. les gens qui les utilisent très très souvent, c'est vrai que ça commence à devenir intéressant de pouvoir gommer avec exactement la même brosse. Ouais. Puis moi, ce que j'aime bien aussi, sinon, c'est le mode de fondu pour faire certaines textures. Là, j'utilise pas trop sur cette série-là. Mais ce que j'aime bien, après mes brushes, ils sont déjà paramétrés avec les bons modes, mais là j'ai un grain, un brush de grain par exemple, qui est directement mis en fondu à 26% d'opacité. Ici on peut, ouais, je sais pas si on voit, bon, si je ferme, si je lock l'opacité du calque par exemple et que je veux mettre une petite ombre en violet, ça va donner un espèce de grain comme ça. Je sais pas si on le voit là à l'écran avec le rafraîchissement. Ouais, ça va donner un espèce de grain, donc j'aime bien utiliser le mode fondu aussi. Bon, là, je vais Ouais, pas. c'est vrai que c'est un truc que j'utilise pas du tout quasiment, alors qu'il a un bon rendu pour ça. Ouais, sur certains brushes, ça marche vraiment bien. Brush-là. Ah, pardon. Du coup, j'ai vachement agrandi ma fenêtre de brush à chaque fois que je la mets maintenant. Hop, elle est refermée. Ouais, pardon, t'es. Après, on peut. Moi, je sais que j'aime bien aussi avoir entièrement la forme du brush. J'ai pris l'habitude de pour pouvoir les voir qu'avoir juste les petits contours, mais on peut enlever la. C'est le contour. Ouais, avoir que la pointe aussi, hein, pour gagner de la place. Et sans forcément avoir le nom d'ailleurs. Bref, comme ça, on peut les voir plus rapidement quand on les connaît bien. Donc bon, je vais pas rentrer trop dans le dessin, mais un tout petit peu, et puis je vais juste paramétrer pour animer, montrer comment je démarre un projet, un fichier en animation en fait. Donc là, vous voyez, j'ai sorti ma fenêtre de montage, Alors mais attends, du coup, pour le coup, on la voit pas du tout ta on la fenêtre de voit pas du montage tout. parce qu'elle est planquée derrière le bug de recopie vidéo. Ouais, est-ce que. Attends, je tenterais bien un truc chez toi, Ouais. tu dois pas avoir ça sous la main. Est-ce que tu peux donc masquer ton Photoshop et relancer ton Photoshop parce que peut-être que ça va l'aider à rafraîchir la fenêtre. Sauf si t'as trop de bazar derrière ton bureau, mais Non, non, j'ai rien. Normalement. Et tu... c'est marrant, il rafraîchit que un tout petit bout de l'écran et il rafraîchit pas tout. Est-ce que je réessaye de passer sur ma vidéo et sur le... De rep... Ouais. Sur le hangout, ou est-ce que dans le menu pomme, est-ce que tu as moyen de mettre la tablette sur une autre résolution? C'est juste une question là, sur la synthique. Alors, attends. Dans préférence, et tu lui demandes moniteur et de voir s'il est capable de la mettre sur une résolution plus faible. Peut-être que ça va aider. Ok, on va essayer. Oui, et Stéphane a fait un rappel très judicieux là-dessus, puisqu'il disait que tu avais verrouillé les pixels transparents pour mettre ta brosse. Merci Oui, Stéphane de voilà, l'outil. ouais. Alors, synthique, rotation standard, couleur, Et dans le non. à l'échelle peut-être de la synthique. Ah C'est tiens, où on a le aller? récupéré le bas de l'écran. Non, mais là, c'est l'iMac. C'est l'écran de l'iMac. D'accord. Tu vois, il ne me propose pas l'écran de là. Il m'a ouvert directement les deux fenêtres comme ça. Voilà, là, D'accord. je suis sur la Cintiq, en fait. Non. D'accord, ouais. Et là, j'ai que la. C'est comme s'il y avait un cadre autour. Et quand tu étais sur l'écran de l'iMac, il te disait quoi? Je peux mettre à l'échelle, mais. Donc là, j'ai plus rien sur mon écran. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, et là j'ai retrouvé le bas de ta fenêtre. Ok. Et en fait non. Bon, écoute, non, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Écoute, on va faire.
On va faire avec des morceaux de fenêtre. D'accord, bon bah. En tout cas, il y a dans les fenêtres, la fenêtre importante pour l'animation, c'est la fenêtre de montage. Et la première chose à faire, c'est il y a deux options. Il y a créer un montage vidéo et créer une animation d'image. Moi, je préfère le montage vidéo parce que, comme je viens de l'animation, c'est ce qui ressemble le plus à une timeline d'animation. Et puis, ça permet de mieux gérer les vitesses de ces images. Enfin, on peut les gérer dans le GIF, mais c'est vraiment une façon complètement différente d'animer et j'ai pas l'habitude. C'est simplement en fonction des habitudes de chacun. Moi, je trouve que là, on se rapproche vraiment plus d'une fenêtre de montage. À la fois de montage vidéo, à la fois de montage d'animation. Donc là, vous voyez, chacun de mes calques apparaît les uns sous les autres, et puis on a une notion de temps qui apparaît ici. Avant de commencer à animer, la première chose à faire, c'est vraiment de décider à quelle vitesse on va animer. Parce que si on commence à animer, par défaut, je crois qu'il met une vitesse, une cadence de montage à 30 images, qui est un standard américain. Et quand on anime à 30 et puis que d'un coup on se dit ah ben non, je préfère réanimer à 12 ou à 24, bah du coup ça crée des espèces de petits espaces entre certaines images, il faut tout redécaler, ça crée des bugs quoi. Donc là, pour des gifs animés, moi je vais travailler pas à 24 images secondes mais à 12. Parce que l'idée c'est que les gifs soient le plus légers possible. Donc si je commence à travailler à 24 images, après ce sera du coup deux fois plus lourd, même si j'anime qu'à 12. Voilà. Donc en gros, en animation, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en France, on anime plutôt à 24 ou 25 images secondes. C'est les standards. Le cinéma, c'est 24 images secondes. La télé, c'est 25 images secondes. Beaucoup d'animateurs préfèrent 24 parce que c'est très facile à diviser. Si on veut animer toutes les deux images, c'est faire un dessin toutes les deux images, donc 12 dessins par seconde, ben on divise par ça fait 24 divisé par 2, ça fait 12. Si on veut animer à 3 images secondes, ça fait toutes les 9, tout 9, etc. Si on veut animer à 4, c'est un tous les c'est 6 dessins, pardon, 6 dessins par seconde. Enfin bon, donc c'est plus facile à diviser, et puis c'est pas très compliqué ensuite de repasser à 25 sans que ça ait trop de conséquences sur l'animation, quoi. Sauf s'il y a des lip-syncs, là c'est un peu plus délicat, mais bon, encore, de toute façon, sur les courts-métrages, par exemple, on considère que c'est principalement une diffusion en festival, donc une diffusion cinéma, donc on est à 24. Et du coup, pour le web, moi j'ai l'habitude d'animer à 12 images secondes. Alors ma fenêtre de montage a disparu, je ne sais pas où elle est passée. Elle est là. Et donc voilà, donc là par exemple, je vais faire une petite animation. Qu'est-ce que je vais pouvoir animer de façon assez simple? Peut-être que je vais animer de la fumée qui sort de la tasse de café, pour commencer. J'ai une suggestion de Stéphane qui me dit un truc pas con. Est-ce que tu saurais redimensionner juste ta fenêtre de Photoshop et je te dirai à quel endroit tu l'arrêtes? C'est une bonne idée. Attends, je vais remettre le montage. Parce que du coup, je prendrais peut-être juste le quart en question et je zoomerai dessus. Ouais. Si tu redimensionnes pour pouvoir récupérer tes calques et autres, je devrais pouvoir moi zoomer sur le Que je coin. fais. Et là. Ouais, encore, resserre, resserre. Top. Ça te fait une toute petite fenêtre pour toi, mais Ouais. pour tout le monde, ce sera un petit peu mieux. Tu peux la descendre si tu veux, jusqu'en bas des canards. Il y a des canards sur ton fond d'écran. Voilà, très bien. Et là, moi, à partir de ça, je vais pouvoir agrandir et recaler pour tout le monde. Bon, c'est un petit peu du bricolage, mais au moins, ça a l'air d'afficher des trucs. Ok, Voilà. donc je vais créer un calque que je vais appeler fumée. On va faire blanche par exemple. Hop. Alors, comme tu as un public qui te suit bien, il y a Raphaël qui disait justement lors de ton intervention à Motion, tu adaptais ton Ouais. framerate en fonction du niveau de détail. Ouais. Surtout pour au pays de l'aurore boréale, parce que Motion, j'avais parlé de ça. On a aussi adapté le framerate au temps qu'on avait et au budget qu'on avait. Donc, en fait, c'était plus au niveau d'action qu'au niveau de détail. C'est-à-dire que quand j'ai des personnages qui font des mouvements qui sont pas très. Où il n'y a pas beaucoup d'action, où ils vont parler et tout, on n'est pas forcé d'avoir des.
On n'est pas forcé d'avoir un framerate énorme, on a animé à 3, voire parfois à 4. Mais par contre, quand on est dans l'action, quand les images vont être très éloignées les unes des autres, par exemple, quand un personnage court d'un bout de l'écran à l'autre, là, il faut être sur un framerate le plus serré possible, voire animé à l'image à certains moments. Sinon, l'œil ne va pas faire le lien entre les images. D'accord, ouais, carrément. L'idée, c'est vraiment de pouvoir compenser en fait les essais, compenser ce qui va être affiché Oui. en fonction de l'importance en fait dans le film, tout simplement. Et puis parfois, en fait, simplement une animation, simplement en plaçant très bien ses... en ayant les poses clés qui sont vraiment bien placées, vraiment bien senties, on n'a pas forcément besoin d'énormément de... d'intervalles pour que ça fonctionne. Bon, évidemment, il y a des puristes de l'animation qui diront qu'il faut que tout soit animé à deux au moins. Ou... Mais même un long métrage comme Tout en haut du monde, dont le chef animateur, Lian Chou, est quand même un des meilleurs animateurs en France en ce moment. Ils ont quand même fait un film qui est pas tout le temps animé à deux, qui est souvent animé à trois, enfin, aussi pour des raisons de budget. Et ça marche vraiment bien parce que les posings sont vraiment bien placés. Enfin, ils ont vraiment travaillé sur les posings des personnages, quoi, sur Ouais, les tout à fait. poses clés en fait. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, je travaille à 12, mais parfois sur des GIFs animés, ça m'arrive d'animer des choses à 4. À 4 images secondes, donc d'avoir à toutes les à 6 images secondes, pardon, donc à 4. Donc là, j'ai créé un calque avec ma fumée. Et ce que je vais faire sur ma fenêtre de montage, hein, si j'avais déjà montré, ceux qui ont suivi les autres sessions, c'est que je vais le transformer, enfin, je vais le mettre dans un groupe vidéo. Alors, je pense que Anime Dessin va permettre de le faire. C'est vrai que j'utilise Anime Dessin, mais comme pareil avec toutes les. À chaque fois que j'installe une nouvelle version de Photoshop, ils se désinstallent. Donc je ne le réinstalle pas forcément. Donc, et pour ceux qui ne l'ont pas, de toute façon, c'est simplement ici. Il y a un petit onglet. Alors je ne sais pas si on le voit. Hop, je vais remonter Oui, un peu. si, on voit l'anime dessin, on voit le balcon avec les pigeons. Est-ce qu'on voit l'onglet quand je suis sur le calque de fumée? Hop, si je remonte. Ouais, si, là on le voit, c'est bon, il est Voilà, là. donc là, je fais. Nouveau groupe vidéo à partir des clips. Et là, dans ma fenêtre de calque, qu'on ne voit pas. D'accord, ouais, ta fenêtre de calque, elle est un petit peu loin. C'est bon, Voilà. là je vais. J'ai un groupe vidéo qui apparaît, que je vais renommer Fumée. Donc comme ça, dès que je vais vouloir faire une deuxième pause, deux images plus loin, je vais couper mon calque, je crée un nouveau calque. Et ben, il se met directement à la suite, en fait. D'accord. Et si je veux faire une animation, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la pelure d'oignon qui me permet de voir en transparence. Et là, par exemple, je vais faire monter un peu ma fumée. Alors ça tombe bien que tu parles d'anime dessin, parce que tout à l'heure Stéphane nous disait qu'il avait lui atteint ses limites sur anime dessin, et qu'il n'est pas Ouais. développeur, mais que par contre il a trouvé un nouveau contributeur qui va pouvoir bien l'aider sur le sujet et Ah, super. qui va permettre d'avoir la suite d'anime dessin qui avance progressivement. Ouais. Parfait. Hop. Là, si je supprime, je pense que si je supprime ce calque et que je ici, que j'appuie là, normalement, ça va me créer un calque directement qui a deux frames, directement avec la bonne vitesse. En fait, on a en fait, Anime Dessin, ça permet d'avoir des raccourcis directement sur. Par exemple, là, c'est le début de mon cycle, donc ici, avec ce petit raccourci, je sais pas si vous voyez. Non, pas forcément. Hop. Et ben, ma première image. De mon cycle, elle est directement, elle a une étiquette qui me dit attention, c'est la première image du cycle. D'accord, ouais, ça c'est les fameux repères que tu te donnes pour pas être Mais perdu. par contre, il a mis un. Ça a fait. Oui, ça met directement une incrustation. Je vais enlever. Ça, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Alors, attends. Désolée, hein, dessiner. J'essaie de dessiner en vous montrant, en regardant les. Voilà. Donc là, ensuite. Hop. Je fais ça un peu rapidement, donc mon anime ne marchera pas forcément très très bien, mais bon, c'est pas très grave. On va commencer à le faire qui s'estompe un petit peu. Tac. Hop.
Là, je fais qu'il recommence en bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. On verra s'il y a assez d'images ou pas. Je vais recréer. Hop. Comme ça. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Ça va peut-être pas être génial, mais. Est-ce que ça, voilà. Ça, c'est le raccourci pour la pelure d'oignon. Puis ici. Pour pouvoir visualiser toutes les images les unes après les autres et Voilà, savoir où ce que tu ça mets donne. Bon, ton prochain c'est dessin. pas si mal, hein. Voilà, peut-être que je pourrais rajouter une image où ça, c'est encore un inter où la fumée continue d'aller. Je sais pas si vous le voyez. Ça se rafraîchit, on voit l'animation qui Ouais, est. on voit l'animation, on voit le café qui fume. D'accord. Ça lui fait le nez rouge. Voilà. Bon, après, je pourrais redessiner un peu le bonhomme et lui. Effectivement, il est un peu dans le nez. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est. Tac. Il va agrandir un peu ce bras-là. Bon, ok, pour ça. Hop là. Et Jean-Loup nous dit que c'est top. Voilà, bon, c'est pas une animation très compliquée, j'ai un peu fait à l'œil, mais elle marche pas si mal. Et après, bon, voilà, on peut toujours. Et donc, si je prends directement tout mon groupe de fumée, que je le bouge, ça va décaler toutes mes images. On va le remonter un petit peu. Et même, on pourrait le mettre derrière. Ça, c'est juste un bug d'affichage. Voilà. Parfois, il fait des petits bugs d'affichage quand on déplace les groupes. Il faut juste se remettre sur la bonne image où il y a le bug. Oui, je pense que pour aujourd'hui, les bugs d'affichage, on a une bonne dose là. Ouais. Mais bon. Donc voilà. Bah, je pourrais. Après, là, j'aurais pas forcément le temps, mais j'animerais bien les personnages en train de se parler. C'était de dessiner aussi un panier entre les deux avec des choses qu'ils pourraient se partager ou là j'avais imaginé qu'ils aient un panier avec des livres, peut-être une bouteille de Ah. vin qui peuvent se passer l'un à l'autre quoi. Ah, c'est mignon. Et du coup, celui-là, donc toi, tu vas prendre le temps après de le finaliser, de le Le mettre finir, voilà. sur ton Insta, sur Gifi aussi, pour voir s'il fait 55 millions ou pas. Je ne sais pas pour oui bah, je le mettrai sur Giphy, oui de toute façon. De toute façon, C'est. c'est pas des choses que je cherche à. C'est des choses que si elles sont partagées, tant mieux, quoi. Enfin, voilà, c'est des petites pièces perso, mais c'est bien qu'elles restent pas dans les cartons. Ouais, carrément. Clairement, de toute façon, je pense que quand on a une idée à développer, faut vraiment profiter justement du moment. Faut aller jusqu'au bout de ce contenu-là. Bah oui. Non, mais par exemple, la fille, elle pourrait pas trop bouger, mais peut-être qu'il peut y avoir un peu de vent et ses cheveux qui ondulent, les yeux qui clignent, des choses comme ça, quoi. Ça pourrait être. Ouais, carrément. Et à chaque fois que tu veux refaire bouger donc une partie du dessin uniquement. Tu l'isoles sur un calque à part et tu le mets au-dessus, en dessous, dans un groupe, c'est ça, hein? Voilà, par exemple, normalement, ça. Non, ça m'a créé un. Ah oui, ça fait. Ah, ça a dû créer un groupe. Attends, si je reviens. Coucou. Ah oui, pardon. D'accord. Non, ça m'a créé une nouvelle anime. C'est l'autre raccourci. Oui. Bon, je vais faire directement ici. Hop. Sur le bon calque. Non, là pour le coup, je vais garder. Je vais repartir de la même base. Donc, ce que je vais faire, bah, en fait, je vais dessiner un petit peu. Là. Je vais redessiner à côté, puis après, j'efface, en fait. Pour être sûr que mes traits sont à peu près de la même taille. Là, c'est pareil.
Il y a Manon qui nous demande une petite question sur tes brushes. Comment est-ce que tu les crées pour la forme et les paramètres? Alors là, je ne les crée pas. Je ne les ai pas créés. C'est des brushes de Kyle Webster. Donc après, il y a les outils de paramétrage de brush. Ça m'est déjà arrivé d'en créer. Si j'en crée, ça va être parfois avec des feuilles. Je ne sais pas si je les ai encore, ceux que j'avais créés. Tac, tac, tac. Dans les divers, est-ce qu'ils sont dans les divers? Ouais, ça fait un paquet de brosses quand même. Ouais. Est-ce que ça, c'en était un que j'avais créé, par exemple? Celui-là, je pense. Je ne sais plus. En fait, ouais, j'avais créé un truc comme ça qui Ah permettait ouais. de faire des parterres de feuilles avec. J'avais fait une variation de la dynamique, de la Non, ça couleur, reste. des choses comme ça. C'était sur ton illustration d'automne avec le vent qui souffle sur la femme girafe? Ou même pas? Non, c'était sur un conte que j'avais illustré pour le musée de Giverny. D'accord. J'avais des tas d'illustrations avec des feuilles, avec des tableaux. J'avais des illustrations à faire à partir de tableaux Ah d'impressionnistes. oui, tout à fait, tout à fait. J'avais créé ça là. Et il y a des. Ben, après, c'est dans le panneau de fenêtre de création. Je crois que c'est le panneau forme, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ou pinceau, je ne sais plus. C'est lequel? Non, ça doit être dans le paramètre de forme. Oui, c'était Là, c'est Iris. paramètres de forme. En fait, on peut jouer avec la dynamique de la forme. Enfin, il faut jouer un peu avec tous les paramètres et il faut les tester, quoi. Là, j'avais, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé. Paf. Après. Hop. J'avais créé une forme, par exemple, si je prends ça, que je me mets sur mon brush. Oui, une calque. Ah oui, il y a un calque, je ne sais pas où. Alors pour ceux qui sont intéressés, Manon et les autres, dans le, je vous ai passé dans le chat le lien vers ton projet qui s'appelait Giverny Iris et les graines magiques, les graines lumineuses, et qui permettra justement de regarder le travail avec ses brosses. Ouais, et là, ben, enfin, en fait, ce que je fais, c'est que je dessine une forme en noir et blanc, et après, je la capture. Je fais définir une forme prédéfinie, je crois. Ben, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Non, c'est pas ça. Ah oui, non, Normalement, il faut si, le il remettre faut une dans un fichier. sélection autour. Oui, c'est ça. Mais il faut que je masque le reste aussi. Ouais, c'est possible. Voilà, je vais mettre feuille. Et là, normalement, elle est dans mon panneau de brush. Et puis après, du coup, je vais dans les paramètres de forme. Et à partir de là, ben, je peux jouer sur la dynamique de la forme, la variation de l'angle, mais aussi Oui, puis le le pas surtout pour pouvoir voir les plus. pas, ouais. Où est-ce qu'il est le pas? Tu sais jamais où il est non plus. Surtout que j'ai l'impression que ça a un peu changé par rapport à. Avant, c'était dans forme double, texture. En tout cas, la dynamique de la couleur, ça permet de changer la couleur. Et le pas, normalement, ça devait être. Ça devrait, c'est dans la forme de la pointe, Normalement, pardon. c'est directement dans forme de la pointe le pas, c'est le premier en Oui, bas. voilà, c'est ça. Hop. Donc là, par exemple, si je veux. La taille, elle peut varier aussi. Ouais, c'est vrai que c'est super chouette là. Il y a Sophie qui nous dit c'est joli. Tout à fait. Et voilà, on peut faire une variation de la taille, variation de l'arrondi, variation de l'angle. Je pense qu'on doit pouvoir faire une variation sur la diffusion aussi. On doit pouvoir. C'est pas là, bref. Voilà, pour que ce soit un peu plus aléatoire. Et du coup, Ouais, c'est après, si super je ça. peins, Ouais, c'est hyper beau. ça crée plein de petites feuilles, quoi. Voilà, bon, bref. Ça, c'est Ouais, pour bah faire je. des feuilles, mais il y a plein de façons de faire d'autres brushes, en fait. En utilisant des formes qu'on a capturées avec capture et en jouant du coup avec tous les paramètres de la broche. Carrément. Je Écoute, le fais pour merci des. beaucoup pour tout ça. Ouais. C'est cool. On a pas. De toute façon, sur l'ensemble des liens sont présents, donc toujours dans le chat, même sur le replay. On va pas couper les liens du replay. On se remettra un petit rappel de tout ça. Et ce qui pourrait être intéressant ben, pour tout le monde, ben, pour ceux qui suivent Adobe France sur le compte Twitter ou sur le compte Instagram, quand l'animation sera en ligne et dispo, ben, vous pourrez regarder. Vous pouvez tout à fait suivre Caroline directement, que ce soit là, que ce soit
son Behance, je sais plus s'il est si si il doit être au taquet ton Behance à toi. Mon Behance, en fait, comme je mets. Je vais pas trop, mais c'est vrai que comme j'utilise Adobe Portfolio, Ouais. c'est facile directement de. Une fois que je fais des nouvelles pages sur mon site, je les mets aussi sur le Behance. Mmh, forcément. Ouais, donc c'est Ouais. parfait. C'est exactement là que vous irez chercher les uns les autres. Après, pour voir les images les plus nouvelles de ce que je fais, c'est sûr que c'est sur Instagram, hein. Le mieux pour suivre mon travail. Et mon site, il est à jour dès que j'ai des nouveaux projets, il est à jour régulièrement, quoi. Je continue de l'utiliser. Je sais qu'il y a des gens qui n'utilisent plus du tout les sites internet, mais moi je trouve que ça reste quand même une belle vitrine. Hein. Oui, je vous remets le lien si jamais ça vous tente. Le Behance. Voilà, bah, j'ai vu que Stéphane et Jean-Loup s'étaient battus pour avoir la primeur du lien. Merci beaucoup aux deux. Eh bien, Et écoute, juste un petit truc que ouais. je peux montrer vite fait, juste l'utilisation des marionnettes aussi. Vas-y, vas-y, ouais, c'est vrai que c'est chouette aussi Des les persos, marionnettes. là. Voilà, bon, là, j'ai animé un peu les cheveux. Bon, il faudrait que je fasse un petit peu plus sur le devant des cheveux. Et ici, je ne l'ai pas fait, mais par exemple, je peux le faire soit sur tout. Donc, je fais fichier. Je vais mettre sur le bon calque. C'est où déjà? Je suis fatiguée. C'est C'est dans utiliser les. la déformation de la marionnette dans le menu édition. Voilà, je vais mettre des points. Hein. Je fais bien attention à ce que les points d'ancrage, de mettre bien des points d'ancrage, parce que sinon ça déforme. De mettre suffisamment de points. Par exemple, si je veux juste faire baisser un petit peu la tête, je vais le faire comme Pour ça. donner un Puis... petit côté, pour donner un Voilà. côté respiration. Voilà. Hop. Par exemple. Mais je peux aussi le faire que sur une partie, si je fais bon Z, mince. Tac. Je peux aussi décider de le faire que sur la tête, en fait. D'accord, Donc ouais. si je sélectionne que la tête et que je mets déformation de la marionnette, ça va le faire que sur la partie qui est sélectionnée. Donc ça me permet de laisser fixe certaines choses et juste de venir donner un petit mouvement sur la tête, quoi. D'accord, ouais, c'est Et chouette. ça, sur les animations, quand on est sur des animations simples comme ça, dans Photoshop ou. Pour faire des illustrations un peu animées, c'est vachement utile, quoi. Ou pour faire des intervalles aussi, entre des poses clés assez extrêmes, Oui, parfois. bien sûr. Ouais, parce que là, du coup, ça te permet, toi, d'isoler les parties qui sont importantes, d'aller plus vite sur ton workflow, sur ça. Exactement. Non, c'est super. C'est Oui, super. c'est bon, c'était sur After Effects, et maintenant, je crois qu'il est un peu partout, Ouais, la déformation. on a ce type d'outils à l'intérieur d'After, de Photoshop, d'Animate, ancien Flash. Et d'illustrateur. Du coup, il y a moyen, effectivement, de trouver chacun son outil pour l'animation. Pour les plus réluctants à fabriquer vous-même vos contenus, vous avez aussi sur Caractère Animator, que j'ai présenté un petit peu la semaine dernière, le moyen justement de faire incarner vos personnages, pourquoi pas, par un être humain. Ça, je vais vous en reparler bientôt. Parce que je m'amuse beaucoup justement, là, c'est les vacances scolaires, et je vous avoue que Caractère Animator, c'est un très bon jouet pour tous les gens qui sont un peu illustrateurs et qui cherchent à faire du cinéma. Ouais. Qui cherche à utiliser les acteurs disponibles à domicile. Ouais, c'est sympa. Avec les enfants, c'est sympa aussi. Toi, tu fais beaucoup avec ta fille, je crois. Ouais, on joue beaucoup. On se fait très plaisir sur ça, c'est assez cool. J'avais testé un peu, c'est chouette. Donc Bon. voilà, bah, je sais pas s'il y a des questions, sinon, ou Bah si. écoute, la plupart des questions ont été traitées et résolues. Alors, ce que je te propose, si tu veux bien, c'est couper le partage, enfin, dans rendez-vous, enlever le partage d'écran et mettre ton visage à la place, mettre ta webcam. Je vais essayer de la récupérer. Voilà. Ok, on est bien. Et je vais T'es essayer de la très récupérer et zoomé, du coup. d'être sur le côté. Ce serait bien aussi. Comment est-ce que je peux faire les deux? Je dois pouvoir faire les deux. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Je te remets là et je viens ici. Tac. Capture vidéo. C'est la première. Voilà. Voilà, on va se remettre dans le plan du début. On est mieux là. Merci beaucoup à toi, Caroline. Merci aux gens qui nous ont suivis pendant le direct.
Merci à vous pour toutes les questions, parce que c'est toujours cool de voir que ben on fait pas juste des sessions, que ça justifie de faire des sessions en direct avec vous, plutôt que chacun de son côté ou en vidéo ou autre. Si jamais dans le public il y a des gens qui ont des sujets particuliers qu'ils adoreraient voir abordés et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de traiter pour l'instant, ben vous n'hésitez pas à partager, à échanger. Je sais que Stéphane prend beaucoup de notes pour tout ça. Merci encore Caro, je suis assez impatient de voir la suite. Et il y a Clémentine qui nous demande sur quoi tu travailles en ce moment. D'accord. Mais gros sujet donc. Gros sujet. Alors pour tout le monde, du coup, bah, je te remercie. Je vais couper, je vais revenir tout seul comme un grand truc. Au revoir, à bientôt. J'ai coupé Caroline, j'espère que je ne l'ai pas coupé trop abruptement et qu'elle m'en voudra pas à mort après. Je vous partage vite fait mon écran, puisque dessus, je vais vous reparler des sessions qui sont à venir dans la semaine. Hop, je vais le remettre en auto-live, sinon je vais l'oublier tout à l'heure. Donc dans les sessions, aujourd'hui, on était en direct du canapé, on sera toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 14h sur ce même écran, même URL pour tous. Vous pouvez revenir de notre côté. On me dit, j'ai coupé Caroline, est-ce que je l'ai coupé trop vite? Ah, je l'avais peut-être pas remis dessus. Mince. Alors pour Sophie, vous avez rien entendu sur la réponse de... Pardon. Alors vous avez rien entendu sur la réponse de Caroline tout à l'heure, où elle était en train de nous expliquer que pour l'instant elle était sur un projet d'animation, d'illustration, et qu'elle allait compléter ses prochains projets d'animation. Mais vous inquiétez pas, on la fera revenir à un moment, on y arrivera. Pas de souci. Oui, c'est effectivement ballot. Je suis confus, Delphine. Et donc, voilà, pour la semaine, on se retrouve demain matin à 10h. On n'est plus en direct du canapé, on est sur une session spéciale autour de la photocomposition avec Natacha et Nat sur Skip Closer. Si vous avez l'occasion de regarder ce que fait Natacha, c'est assez cool et hyper mignon et très créatif à l'intérieur de Photoshop. Notamment, elle va nous représenter un petit peu ben, tout son travail de photocompo. Donc, je pense que ça devrait en intéresser quelques-uns. On se retrouvera mardi à 14h avec Stéphane pour une session spéciale Bridge. On enchaînera mercredi, jeudi et vendredi. Je reçois Nicolas Henry qui est photographe. Et Nicolas vient juste de sortir un court-métrage. Nicolas Henry. Check. NicolasHenry.com. Voilà. Nicolas vient de sortir un court-métrage qui s'intitule Comme un seul homme. Donc c'est un photographe qui faisait pas mal de cabanes, de situations, de décors. Ça devrait bien vous plaire et ça a lieu vendredi. Voilà. Merci à toutes et à tous. J'espère que ça vous a plu. Promis, j'essaye de ne plus couper le son de mes invités, même quand ils sont pas sur la même, sur le même canal. On se retrouve donc dès demain à 10h. À très bientôt. Bonne journée.